Voilà. OK. Spring Data, c'est lui qui gère tous ces accès aux données. Et Spring Data, en fait, a une interface qu'on appelle le JPA Repository. C'est une interface qui est l'interface de base de toutes les interfaces que vous allez créer. Et vous n'avez pas besoin aussi, à votre niveau, d'implémenter ces interfaces. Vous créez l'interface, vous mettez seulement arrobase repository pour dire quoi, si une interface sera utilisée comme source de données dans les autres contrôleurs. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Et vous créez l'interface, vous dites quoi, extend JPA repository, et vous précisez également le nom de la classe que vous voulez manipuler à l'intérieur. Voilà, c'est ça. De toute façon, ça sera clair ici. Un exemple, là, il y a produit. C'est ce projet qui est là, en fait. Vous avez vu cette classe produit là, ce contenu là. Voilà. OK, donc là, on a en fait un produit écrit par un identifiant, une désignation de prix quantité. L'ID, on a dit quoi? C'est identifiant, ça vous êtes déjà habitué à utiliser ça. ID, vous dites quoi? C'est tout simplement clé primaire. Generative value, après vous m'ajoutez également si c'est auto-incrément aussi. Voilà. Ensuite, ça c'est arrobas entité, on peut également avoir arrobas table, etc. Voilà. Mais déjà avec Spring Data, ceci suffit parce que là, on va le gérer. On ne va pas mettre ici des numéros de query, mais on va utiliser seulement Spring Data. Voilà. Si vous utilisez du JPA, vous pouvez faire exactement ce qu'on faisait, mais dans ce cas, vous laissez Spring Data et vous manipulez exactement comme ça dans le JPA en créant des classes d'implémentation. C'est bien possible. Voilà. Et là également, c'est Spring qui va te chercher la classe correspondante. Voici un exemple d'interface. I produit. Extend quoi? JPA repository. C'est ça qu'on appelle Spring Data. C'est lui qui va charger maintenant de sélectionner. Ça, c'est in, c'est long. Pourquoi? C'est parce que la clé primaire de cette classe-là. Donc, produit. Puis, à noter que crude, que les crudes sont automatiquement disponibles. Ajout et modification, c'est save. Oui, il n'y a pas d'upgrade. C'est-à-dire comme les munch dans JPA, etc. Non. Si vous voulez ajouter, ou bien si vous voulez supprimer, ou bien si vous voulez modifier, mettez save. La différence, c'est quoi? C'est qu'avant d'ajouter, il va d'abord vérifier si l'objet n'existe pas. Vous prenez l'identifiant, la désignation, le prix et la quantité. Avant d'insérer dans la base, il va vérifier si ça existe. Maintenant, si l'objet existe avec même clé primaire, etc., il va faire quoi? Il va tout simplement regarder la différence au niveau de désignation. S'il y a différence, il va faire un update. Voilà. Donc, au niveau des Spring Data, pour ajout et update, c'est save. Pour la suppression, c'est delete, il y a up à la fin, hein, il y a delete, c'est avec up. Pour la liste, c'est find all, etc. Il y a pas mal de méthodes que vous pouvez utiliser dans Spring Data. Un exemple là, il y a find one, etc. Il y a save qui est là. Voilà, etc. OK. Donc, voici un peu l'explication de save qui est une classe anonyme avec les éléments persis de JPA qu'ils utilisent dans. Voilà. Mais là, ils ont modifié. Vous avez vu quoi? Ils ont également utilisé en même temps avec save persis et merge. Vous dire quoi, utilise les deux, mais c'est à lui maintenant de vérifier si is new. Is new veut dire quoi? Si voilà, l'objet n'existe pas, on ajoute. Si l'objet existe, on fait un match. Voilà, ça c'est l'explication. En fait, si vous faites contrôle espace ou bien vous faites contrôle et vous cliquez sur save la méthode, on va vous montrer sur code source. Vous montrer en fait comment c'est implémenté. En fait, voilà. Et voici l'interface que j'ai créée qui est là. Voilà. Et ça maintenant, c'est le fichier qu'on va voir avec quoi on fait pour tester en local même avant de lancer au niveau du serveur, c'est-à-dire au niveau de l'application. Voilà, l'interface. Si maintenant vous ne voulez pas utiliser que des requêtes prédéfinies, de CRUD, vous voulez des requêtes personnalisées avec des jointures, etc., sachez que vous allez utiliser JPAQL, c'est-à-dire JPA. Les requêtes SQL orientées JPA. Un exemple, je veux récupérer. On peut faire find one, hein, mais ça, c'est une requête personnalisée. Un produit dont l'identifiant est passé en paramètre. Vous utilisez arrobas query. Et vous mettez quoi? Select P from produit P where. Et ça, c'est pas nouveau pour vous. On l'a fait en JPA. C'est exactement ce que c'était les named query, en fait. Voilà. Mais là, vous avez le named query, vous le mettez à l'intérieur de l'interface qui est là. Et vous créez une fonction. C'est une interface. La fonction s'appelle getQueryById. Et vous dites quoi? La variable qui est là, IDP, arrobas param est égal à ça. Et vous voyez encore, c'est trop proche de REST. Avec les param. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce paramètre qui est là, qui s'appelle IDP, c'est lui qui sera passé en paramètre quand on va appeler la fonction. Et dès que vous donnez aussi un ID, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? L'interface, il va prendre la valeur qui va affecter ici en exécution. Donc, après, je voulais voir en fait ici l'utilisation de la fonction avec cette flèche-là. C'est là. Un exemple, il y a ce find one dont je vous parlais, mais également il y a une fonction aussi, voilà. Find one en fait permet de récupérer un objet à partir de l'ID. Bon, là je vais d'abord parler de ça.
Et c'est quoi ça, en fait, ces lignes qui est là? C'est ça qu'on appelle l'injection de dépendance. Inversion de contrôle. Regardez très bien. Nous, on a créé une interface et nulle part, vous n'avez vu ce qu'on appelle l'implémentation de l'interface. En principe, en Java, on devait vous dire quoi? On devait vous dire quoi? Que la classe n'est pas... Et puis, l'interface n'est pas implémentée. Mais c'est à Spring de le gérer. Comment? Il va prendre, en fait, le contexte de l'application, application contexte. Il vous dit quoi? Get bin. Va dire quoi maintenant? Cherche-moi la classe qui implémente e-produit. Je ne sais pas. C'est comme si ce que j'avais expliqué tout à l'heure, en fait, avec les EGB. Vous vous souvenez, au niveau des servlets, on écrivait quoi? @EGB, vous précisez le nom de l'interface. Vous n'instanciez pas. C'est ça qu'on appelle l'injection de dépendance. C'est juste ça. Maintenant, c'est à Spring de chercher dans l'application quelle est la classe qu'on a implémentée, à savoir ici, c'est seulement Spring Data qui va l'implémenter parce que nous, on n'a rien implémenté. OK. Et là, c'est un exemple de produit désignation. Je vais récupérer une désignation d'un produit, c'est find one, vous précisez ça. Ou encore, on peut utiliser notre fonction, la fonction que j'ai définie tout à l'heure, tout à fait en haut, c'est-à-dire get by ID. Et dès que vous le faites, vous avez ce résultat. Alors, bon, ça va dépendre maintenant parce que cette fonction, il est possible de vous taper point, vous ne voyez pas. Mais là, voici une méthode de création de n'importe quelle fonction. Si vous avez besoin de faire des jointures, sans jointures, order by, group by, etc., tout ce que vous voulez, la requête SQL est là. Faites seulement quelques requêtes sur le JPA query, c'est-à-dire les requêtes SQL query orientées JPA. Et vous aurez toutes les requêtes SQL, jointures, sans jointures, etc. La documentation est vaste. Voilà. Okay. Donc, voilà, ça c'est pour l'ajout dans la base, mise à jour, etc. Voilà. OK, et ça, c'est le résultat. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, Spring Data. Donc, je vais me limiter à ça pour la vidéo. Après, je vais vous expliquer comment Spring Security, hein, comme ça, après, on pourra enchaîner avec Spring Security. Donc, j'arrête.